Vous allez entrer à vos risques et périls dans un lieu étrange où tout peut arriver. Vous y verrez des choses que nul n'a jamais vues. Hello mes poulets, c'est Mr. Pingouz. On se retrouve pour ce petit chapitre 2. Donc, la nuit est passée. Bon bref, vous avez pas vu, vous regardez la première vidéo. Et là, en fait, je me suis rappelé que j'avais beaucoup de stuff. À voir ce que je voulais faire déjà. Donc je voulais me faire un petit camp ici pour faire ce camp... Metal Potato. Merci, jeune... YouTubeur, que sur ton coup je connais ton vrai prénom vu que t'es un pote à moi et que je me rappelle plus le nom de ta chaîne qui m'a guidé. Arrêtez là, je sais plus son nom. Bon, Julien, tu te reconnaîtras si tu regardes ma vidéo, collègue de travail, etc. etc. Merci à toi pour m'avoir dit à quoi ça servait cette crotte ou pas. Donc, dans cette petite vidéo, on va couper un arbre. Et on va se faire une petite maison ou un habitat dans les coins. On va essayer d'aplatir un peu la zone. Pourquoi ça veut pas couper? Il y a eu un bug. Vous l'avez vu les amis? En fait, il s'avère que je fais tourner une machine à laver derrière moi. Et j'espère que ça va pas être trop gênant dans la vidéo. Je vais faire une petite plantation d'arbres, mais... plus poussé et plus swag. Donc on va faire comme ça. On va la faire comme ça. Et vas-y, pose ton arbre. Comme ça, je vais délimiter la zone avec des arbres. Je ne fais tomber les objets par terre. Alors à savoir si mon micro cette fois, la qualité du son elle sera mieux. Alors j'espère pour vous. Donc comme d'habitude on fait passer 2 jours. Donc on se retrouve au jour 5 à la fin de la vidéo. Et je suis en train de planter des arbres. J'espère que ça vous plaît. C'est très passionnant. Donc moi j'ai un gameplay de ouf. Je clique sur le touche droite de la souris depuis tout à l'heure. Donc voilà, et en plus j'ai pas fini. Hop là. Regardez ça un peu, une belle plantation d'arbres. Et je pourrais même pousser un peu plus dans le vice en disant des sapins. Vous avez vu, je suis vicieux, les gars. Peut-être moins vicieux que ma bannière de chaîne où on voit Willow en petite tenue cachetée à le logo Minecraft. Pour ceux qui veulent l'original, me contacter sur Skype. Parce que je suis tombé sur un site spécial quand même pour tomber là-dessus. J'ai halluciné, j'ai fait « Ah, moi, c'est sympa ». Bon bah au final je vais la prendre pour bannière. Bon, aujourd'hui on se retrouve à côté de la mer, on n'y voit pas grand chose, je sens un début de vidéo très prometteur, on va faire ça. Si je me trompe pas, je voulais faire des cailloux. Oulala, là là, on va faire une machine gold, je sais plus son nom mais il faut du gold pour la faire. Et pardonnez-moi, je vous tourne l'épisode. Je vais pas vous dire, elle va vite. Mais en fait, j'étais tranquille sur Skype. Et là, je me dis, pof, allez, hop, j'ai tourné un truc. Et je me rappelle plus vraiment ce que j'ai fait auparavant. Donc, si j'oublie quelque chose, mettez-moi dans les commentaires. De toute façon, normalement, je devrais rien oublier. Bon, là, il va bientôt faire nuit. On va se regrouper. On se regroupe. Oh, purée, j'ai pas vu les jambes. Fallait me le dire, faut que je mange. On va manger de la carotte, mais pas trop parce que je vais en faire chauffer juste après. Comme ça, je vais faire le test de comment faire chauffer une carotte. Nous allons faire chauffer des carottes. Et les carottes seront cuites. Ah ah ah, je me fais rire tout seul. Pour ceux qui viennent de s'abonner en voyant la vidéo que j'ai pu poster sur mon ancienne chaîne, mais vous avez pu voir ma tronche. Vous avez vu ma tronche? Ouais. Je suis pas sexy comme Shemale. Oui, je suis un chimelle. Donc tout ça dans le côté baroque. Nous voyons bien la déprogressivité des petits basic farms qui vont nous permettre à soupir. C'est un tas de poussière. Qui vont nous permettre à quelque chose. Mais j'en dis pas plus. Étant donné que j'en sais pas plus. Bon, il me faut des pierres.
Dites-moi que je suis bête. Dites-le. Faites-vous plaisir. Lâchez-vous dans les commentaires. J'étais parti chercher de la pierre, mais il me manque un caillou. Est-ce que je deviens fou? On va ramasser quelques fleurs. Il sera moins fou. Du moins, elle sera moins folle. You, you, je suis folle. Et qui vous dit que c'est vraiment une fille, hein? Qui vous dit que c'est pas un homme avec une zigounette? Ben, un homme avec une zigounette. Je crois bien que tous, ils en ont une. À défaut, quelques-uns qui se laissent en couper pour protester. Hein? Ils se sont dit, moi, j'en ai marre. Des lasagnes avec du bœuf. Je préférais quand c'était du cheval. Je me coupe la zigounette pour protester. Si vous comprenez pas mon délire, c'est juste qu'en fait, j'ai pu voir sur Spion ou sur Internet comme quoi il y avait des gens qui protestaient à propos de certaines choses telles que une facture trop chère. Le gars, il disait, bon, pour protester, je vais me couper un doigt tous les jours jusqu'à qu'on me réponde et qu'on comprenne que c'est pas cool. Alors, des lucioles, à ce qui paraît, on peut les ramasser. À ce qui paraît, il y a beaucoup de choses qui paraissent aussi. Moteur d'alchimie, j'ai cru que c'était des carrés de sucre. Oulala, on va me faire comme ça, on va rajouter du combustible. Si je me trompe pas, une bûche devrait me suffire à passer la nuit. J'avais les carottes, crottes, je voulais les faire chauffer. Vous avez vu un peu? Et là, ça va me redonner de la vie, regardez bien. Quand je dis de la vie, ça me redonne de l'estomac. Il dit ça comme ça. Comment je pourrais le sortir? Ça m'a redonné... pas de l'appétit, sinon je crèverais la dalle, même si ça passe. Bref, j'ai moins faim que j'avais faim. Toc, toc, toc. Des pièges. On va essayer de piéger des... mon sac à dos, j'ai déjà. Toc, 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 toc. Je vais me rapprocher de ma machine. Tuk tuk tuk, piège à oiseaux. Des fermes, non. Des ruches, on fera ça plus tard. Ben, je dis non, mais si j'en ferai, faut pas vous étonner. Une lance, ça pourrait être pratique avec une armure et plein de choses normales, quoi. Des murs en foin. Bon, à part si je les fais en pierre plus tard. Ouais, je me parle tout seul, hein. Faut pas chercher midi à 14h. Je me fais de la corde. Non, c'était là la corde. Oui, que je dise pas de bêtises. Et des planches. Et si je me trompe pas, ils me refont encore d'autres planches. Je vais me refaire une corde. Et une planche. Et une corde. Bon, je vais arrêter. Parce qu'après, j'aurai plus rien. Totem de viande, ok. Normal, il me faut des poils. Il faut que j'aille chercher du lapin. Un chapeau de paille. J'avoue que vu que je fais l'épisode un peu à la va-vite, bah à la va-vite, vous me comprenez. Ouais, non. Un coffre, si je suis bête, je voulais m'en faire un. Comme ça, je vais pouvoir stocker quelques trucs. Le problème, c'est que j'aimerais bien l'avoir près du feu. Soit pas cool, soit pas chiant. On va courir chercher les graines. Tu bugs, hein, tu bugs, ma petite. C'est dur, hein, d'ouvrir le coffre. Je crois qu'il y a un mur. Je suis pas certaine à 100%. Mais je crois. Donc là, on va y déposer ce que je veux pas trop pour le moment. Non, franchement, je vais poser ça. Pour l'instant, j'en ai plus d'utilité. Les champignons verts, si je me trompe pas, c'est dégueu. C'est ainsi que ceci. Les carottes, je vais les garder sur moi. Ceci aussi. La nitroglycérine. Qui n'est pas exactement le cas. Mais... Toc toc toc. Une magique science. Donc là, il me faut. Qu'est-ce que vous voulez me voir faire, hein? Sans déconner. Non, je rigole. J'ai bien quelques petites idées, mais si je fais tout en l'espace d'une journée, ça va être cuit. On va aller se balader, chercher de la ressource. On va se faire des pierres. Et je me serais bien fait un petit totem de viande. Allez, on va aller chasser du caribou. Oh mon dieu. Il y a des buffalo quelque part. Là. Ouh, je fais des petits effets. Donc déjà, il me faut pas mal de pierres, de l'or.
J'aurais bien aimé trouver des. Attendez, je vais appuyer sur espace. Des tombes pour pouvoir creuser ces tombes et tous déterrer des cadavres, jouer la nécrophile et m'enfler des os dans le. J'ai besoin de nourriture. J'espère que ce petit jeu vous plaît. Quoique je parle d'os, mais il y a des carottes si je donne quelque chose à enfiler. Tiens, en parlant d'enfiler, je mangerai bien une carotte. Hop là. Waouh. Alors là, je vais mettre des pièges tout autour. Mais pas tout de suite. Viens m'attaquer, toi. Saloperie. Saloperie. Oh oui, viens par là. Je vais te faire faire du moonwalk. Tu vas être heureuse. Ah, voilà. Un biome de pierre, si je me trompe pas. Et je n'ai plus de matériaux. Donc. Ben, j'ai plus de matériaux. J'ai plus. Comment dire ça? D'outils. Parce que de matériaux, j'aurais plutôt dit. Autre chose. Du bois, des conneries comme ça. Touk, 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 touk. Va ramasser ça et ensuite ça, merci. Le problème, c'est qu'il y a certains petits trucs que j'ai utilisés pour faire des planches que j'aurais besoin. Du bois, j'en ai plus. On va couper d'une arbre. Et du moins, ce n'est pas d'une arbre, c'est du sapin. Voulez-vous 6 jours? Hein, 6 jours. 6 jours de jeu. Ben, du moins que j'aille jusqu'au 6. Vas-y, coupe ça, ça t'occupera, petite. Ça te fera les bras, tu seras de bûcheronne. Toc, toc, toc. De la carotte. De l'herb. Et là, on va suivre ce petit chemin. Qui sent la noisette. Oh, t'as peur, un petit lapin. La nuit arrive, il me faut du feu. Mais what the fuck? C'est pas très pratique. Et en plus, là, je parlais de d'une pelle, mais si je vois bien à ma droite dans l'inventaire du sac à dos, j'ai ce qu'il faut. Bon, à défaut, je vais vous faire peut-être une petite vidéo de 20 minutes, un peu plus longue que la précédente. J'espère que le micro ça peut pas être trop dégueulasse. J'espère, franchement, de tout cœur. Donc c'est le même micro, sauf que j'ai pas fait la même connerie que la dernière fois. Je l'ai pas mis, le petit truc, dans mon cul. La dernière fois, il était éloigné, mais un truc de dingue. Exactement, j'avais mis mon micro presque à l'envers. Je vais peut-être pas dire ça comme ça, je vais passer pour un noob. Mais, en gros, j'ai la possibilité de mettre la quéquette. Oui, la quéquette. La caquette du micro vers le ciel, si je peux me permettre. À défaut de ça, j'ai pas de ciel dans mon salon, donc vers le plafond. Et j'enregistrais comme ça. C'était beaucoup plus confortable, vous voyez quoi. Donc là, je vais me rapprocher de mon petit campement. Si j'arrive à le retrouver. Mais je suis con, il est pas du tout là. Il est pas du tout là, il est plus par là-bas. Et puis au pire, j'ai ma carte. On reconnaît vite les petits arbres plantés par moi. On va y mettre des bûches. Du moins, comme il faut, ça sera encore mieux. On va... qu'est-ce que je peux faire de nouveau? La pierre taillée. La pierre taillée, il m'en faut, si je me trompe pas. Mais il m'en faut pourquoi? Non, c'est pas pour ça. C'était pourquoi qu'il m'en faut. C'est pas pour ça. Et pourquoi je vais dans ça, hein? Dites-moi pourquoi je fais ça, hein? C'est de ta faute, hein? Pourquoi? Non mais, allô quoi. Il m'en faut encore une. Et après il me faudra des petites planches. Des petites planches, vous me voyez. Et j'ai plus de quoi faire. Et en théorie, je n'ai plus assez. Ouais. Le problème, c'est qu'il fait nuit. Qu'est-ce que j'ai pour faire cramer, ça? Je vais en mettre deux, même, parce que je suis un pyro barbare. Désolé de la culture générale de gamer, quoi.
Je vais déjà me préparer avec ma hache. Le jour se lève bientôt. Elle commence à crever la dalle. On va lui faire cuisiner un peu de la cacahuète. Parce que la cacahuète, c'est bon. Et en plus, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je crois que j'ai toutes les cuisinées. Ce sera fait comme ça. Ça me prendra pas trop de place. Par contre, si quelqu'un me dit comment on peut faire pour récupérer sa vie. Là, j'ai toute ma vie, mais éventuellement, quand j'en aurai plus, je ferai comment pour la récupérer. Hein, dites-moi, comment on fait. J'espère qu'ils ne s'enfuiront pas. Bah, j'espère aussi, ils sont bien. Ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont là. Ils représentent. 6-3 représentent. Vous savez maintenant où j'habite. Dans le 6-3. De toute façon, je me suis jamais caché de quoi que ce soit. J'ai toujours dit que j'aimais les oiseaux. Aussi bien que les asticots. Donc, je vais faire ces petites... d'accord, Ramassa, t'as raison. Je vais faire ces petites planches. Je vais créer la machine qui me manque. Et je vous dirai pas le nom de la machine, c'est quoi. Parce que moi-même, le savant pas, j'ai pas envie de dire, oh, c'est une machine de science, alors que c'est un truc d'alchimie. Voilà, quoi. Donc je vais me faire des petites planches. Le problème c'est que pour les planches il faut un bloc de bois. Je vais couper cet arbre. Je sais pas si j'en ai 8 ou 3, je sais pas lire. Et puis je sais pas compter. Ouais c'est bon. Allez hop, on va y monter. J'ai assez de cailloux. J'ai assez de cailloux. On va aller créer ça. Et sur ce, bah, je vais vous abandonner. Mais oui, il manque quelque chose. Non, si je clique pas au bon endroit. Il m'en faut une ou deux. On va en faire deux. À défaut qu'il en fallait... Ouais, il en fallait plus. Je voudrais te poser ici. Voilà. Donc, je vais vous abandonner ici. On a progressé, on a fait... Alors, on aura bien déterminé le camp. On aura mis notre petit coffre que je vais aller fouiller un peu dedans. Il faut que je fouine. Vous savez si les baies, on peut les faire chauffer? Je vous pose des questions, histoire d'interagir un peu. C'est l'un des principes le plus cool. C'est que je verrai tous vos messages si vous répondez rapidement. Une vidéo tous les deux jours, ou tous les jours, au choix. Ouais, tous les deux jours. Et par la suite, on va inventer des choses magiques. Et je vous dirai pas lesquelles. Des choses qui se cachent, des choses qui se mangent, des choses qui brillent dans la lumière. Ou dans le noir, de toute façon ça brille. Bref, sur ce, je vais vous abandonner, je vais faire sauvegarder, je vais couper l'enregistrement et je vais aller boire un verre d'eau. Sur ce, je vous dis ben bon appétit, pour moi bon verre d'eau. Je vous abandonne. C'était Mr. Bingoos. Je vous dis à la prochaine, au plaisir de faire des vidéos sur YouTube. Et je vous redirai encore assez souvent parce que ça fait trop plaisir. Bon, sur ce, je m'éloigne, je dis des conneries, je vagabonde, je dis n'importe quoi. Mais je vous abandonne. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.